Nota Sotrate, Mathieu Sokolo Diassili Sokolov Sotrate. Je peux me rappeler de Sokrate très bien. J'étais en troisième, il était en cinquième. Et je me rappelle qu'avec les Salem, les capitaines, peut-être même les Do, quand on sentait que nos vieux de quatrième, Jean-Pierre Lebug, Norbert Bocca, Van Bocquart, les frères Guéma, les frères Waku, tous ces gens-là, et quand on les sentait un peu menaçants, et entre nous on se disait, il faut pas avoir peur, si nous menaçons, on va aller chercher le vieux Sokrate. Parce que Sokrate, il était costaud, il avait une expression dure de Rambo, et il était très sympa avec nous. Je me rappelle qu'à l'époque, j'aimais bien aller chez monter en cinquième et même en sixième chez Maurice Poba, avec qui souvent je faisais des exercices de géométrie descriptive, donc les épures. Et parfois, quand je sortais de chez le vieux Maurice Poba, Sokrate me regardait d'un air dur, me dit « Viens ici, viens ici ». Bon, je venais déjà de travailler peut-être avec le vieux Maurice Poba, donc je n'avais besoin de rien. Il dit « Allez, viens, tu comprends quelque chose aux épures ?» Il dit « Ça va, je viens de travailler avec le vieux Maurice ». Il dit « Viens, 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 je vais te donner un cours sur la trigonométrie ». Et puis pendant 20-30 minutes, on prenait un chapitre de trigo. Et vieux Sokrate était fier de me montrer comment résoudre, comment calculer les sinus, quelles sont les astuces pour retrouver des formules. Et il était très sympa. Et puis on a gardé de très bons rapports, même quand j'étais à la Cassapa et que lui était à l'ISTA, je pense. On a continué à se voir parfois pendant certaines vacances. Et quand il était à l'ONATRA, je suis allé 2 ou 3 ou 4 fois le visiter. Le vieux Sokrate, c'était quelqu'un de bien. Et son départ me rappelle que c'est la voie de nous tous et que la vie, elle est faite pour être vécue. Et alors là, je repars vers mon grand frère Jean-Baudouin Katanga. Il dit, nous pleurons Sokrate aujourd'hui. J'aurais vraiment été plus heureux de l'avoir côtoyé beaucoup plus souvent, d'être resté en contact avec lui, d'avoir peut-être parlé avec lui pendant ces 10 dernières années. Ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, il part. Je regrette que Sokrate soit parti. Je me dis, j'aurais pu faire mieux. En l'aimant vivant. Ok, Mbuta Sokrate, Nzamba Sungayo, Nzamba Ayambayo, na Mbokanaye, RIP grand frère, au revoir. Je disais tantôt que j'avais pensé à Sokrate la semaine passée, avant l'annonce. Ah bon, tu as pensé à lui avant l'annonce du décès? Avant l'annonce de... Oui, je pensais à lui. J'étais dans la voiture en train d'écouter la musique et j'ai entendu la chanson Sakumuna de VV. Et je me rappelle de la façon dont il dansait. Alors, je me suis rappelé de ça, j'avais une très bonne sourire pendant un moment là,
puisque je le voyais en train de danser Sakumuna. Voilà, I wonder what he's doing today. Voilà, I wonder what he's doing today. Et 3-4 jours plus tard, j'apprends qu'il he died. C'était wow. Ben, je pense que c'est son esprit qui t'a approché d'une façon ou d'une autre. Donc il y a eu une communication entre toi et son esprit, c'est comme ça que tu as pensé à lui, je pense. Ce n'est pas fortuit. Je pense qu'il y a eu, à certains niveaux de vos êtres, à tous les deux, vous vous êtes rencontrés, vous êtes reconnus. Je pense. Yeah. Well, I'll take it. Ok. En tout cas, ça faisait 3, 4, 5 ans. Il était indisposé. D'abord, il était retraité. Et ça faisait 3, 4 ans, ou 5, même 5, qu'il était un peu handicapé, un peu diminué. Mais très brave, d'après les infos que j'avais, très brave. Et toujours très lié à son SMS d'amour. Et il était en même temps assez impliqué dans une association de parents d'élèves du collège de Mbanzamboma. Si bien que son décès aussi a aussi touché certains anciens de Mbanzamboma et certains parents. Anciens de Mbanzamboma qui ont des enfants ou qui ont eu des enfants à Mbanzamboma. Ok. Donc comme tu as vu dans le programme, non, il n'y a pas le programme, mais il se pourrait qu'il soit enterré le samedi qui vient. D'accord. Donc il était retraité de l'ONATRA. Hein. À un très bas âge alors. Tu dis? À un très bas âge alors. Non, pourquoi un très bas âge? Donc, tu as dit 5 ans, il y a presque 5 ans, tu dis? Disons qu'il était malade depuis 5 ans et je crois aussi qu'il était malade depuis 5 ans. Depuis 5 ans et je crois qu'il était retraité depuis peut-être 7 ou 8 ans. Oui. Mais 8 ans, donc 8 ans, je ne sais pas quel âge il a. Ben, je vais te dire, Socrate, il était 3 ans avant nous. Socrate était ou de 51 ou de 52. 51, retraité il y a 5 ans, cela veut dire que c'est retraité à l'âge de 60 ans. Ben oui, en Afrique, l'âge de la retraite, c'est 60 ans. Ah bon? Ah oui. C'est pas 70, hein, c'est pas 65. En Afrique, l'âge de la généralement admise, c'est 60 ans. Ok. C'est vous les Américains qui les Américains et les Japonais, comme ils ont, comme vous avez le culte du travail et vous avez la culture du travail. Donc pour vous, quelqu'un qui marche et qui est en bonne santé, ben il doit travailler. On va pas. Il doit continuer à travailler. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Mbuta Socrate. Nzamba Sungayo. Nzamba Ayambayo. Mbokanaye. RIP grand frère. Au revoir.